Donc j'ai pris deux ateliers. Donc le premier, la notion d'agression écologique, pourquoi les startups doivent sauver le monde. Et un deuxième atelier qui est comment réduire de 95% la consommation énergétique de sa flotte de maintenance urbaine. C'est un sujet plus smart city. Le deuxième sujet, le premier sujet est en rapport avec ma démarche, moi, pour créer ma boîte. Et le deuxième sujet, c'est opérationnellement ce qu'on essaie de faire dans ma boîte. Je gère du coup aussi ma boîte en même temps. Enfin, c'est pas mon activité de faire des conférences. Et du coup, j'ai sous-estimé le travail de préparation à faire pour ces deux conférences. J'ai compris hier à 3h du matin que j'arriverais pas à finir les slides à la fois de celle-ci, de celle que je viens de faire, et de celle que je vais vous faire maintenant. Mais je me suis dit, je vais tout miser sur la première, qui était celle qui m'intéressait le plus, moi. Donc j'ai travaillé tout ce matin sur la première, et résultat, j'ai pas les slides pour la seconde. Alors, sauf que la seconde, qui est comment réduire de 95% l'impact environnemental de sa flotte de maintenance urbaine, c'est plus ou moins ce qu'on fait dans notre boîte. Donc en substitution de ce que je vous ai fait, je vais vous expliquer le concept de ma boîte qui tourne autour de ce sujet-là exactement, comment diviser par 20 le transport. Évidemment, l'idée c'est que le plus intéressant sera ce dispositif qu'on essaye de mettre en place et pas notre marché, etc. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter ma boîte. Donc mes excuses à ceux qui sont en ligne. Voilà. Du coup, et si vous êtes déçus, vous pouvez partir. Et en plus, là, je vais vous montrer un pitch que j'ai fait lors d'un concours. J'aurai le résultat lundi pour avoir un peu d'argent. Un concours qui s'appelle Concours du Club Galaxy. Du coup, je leur fais la promo. Allez, on y va. Du coup, là je vous présente ma boîte, Self City. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous faites appel à un plombier pour vous dépanner, dans votre relation avec le plombier, ce n'est pas vous, le client, qui a droit, mais c'est le plombier qui roi. Monsieur Edouard. C'est le plombier qui est roi. Injoignabilité, c'est très compliqué déjà d'avoir votre plombier au téléphone. Indisponibilité, si vous avez besoin de quelque chose dans la semaine, ça va être très compliqué. Retard, les retards sont la règle en fait. Dans ce secteur-là, c'est venir à l'heure qui est l'exception. Les surfacturations, c'est quelque chose qui est un peu vrai, mais en tout cas, ce qui est une peur permanente chez les clients. Et il faut dire ce qui est, c'est un domaine dans lequel il y a aussi des arnaqueurs. Et donc, c'est faire appel à un plombier est anxiogène depuis la nuit des temps et ça continue de l'être. Et du coup, on s'est penché avec mes associés donc, pour se dire comment ça se fait que pour un besoin aussi universel, on n'ait pas une offre qui soit convenable. On a un peu analysé ce qui se passait. Et en fait, premier truc, on a discuté avec beaucoup de plombiers, c'est que un bon plombier ne fait pas nécessairement un bon gestionnaire. Parce qu'un plombier, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire technique, et gérer une entreprise, c'est un savoir-faire qui est différent. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de gérer une entreprise de plomberie. Moi, j'ai été consultant, ce qui ressemble un peu au métier de plombier. Au final, on se rend quelque part, on essaie de résoudre un problème et on part. Et on est payé. Et gérer une entreprise de plomberie est 1000 fois plus compliqué que gérer une entreprise de conseil. En fait, vous avez la dimension commerciale, vous avez une compta à gérer, une compta qui est extrêmement complexe avec des achats d'outils, de l'amortissement, du stock, du consommable, du non consommable. Vous avez un service client à assurer et c'est quelque chose qui est assez courant. Maintenant, le plombier doit aussi avoir une visibilité sur Internet s'il veut avoir des clients rapidement. Gérer de la publicité. Il y a une dimension réglementaire qui est en évolution permanente. La réglementation change tout le temps. Il faut toujours être au niveau et être formé aux dernières certifications, etc. Il y a des achats avec des différents fournisseurs. Il y a des optimisations à faire. C'est horrible de gérer une entreprise de plomberie. Pourtant, vous avez des gens qui n'ont pas de formation de gestionnaire à la base, qui ont des formations techniques de plomberie et qui vont travailler tout seuls. Et en fait, il y a 10 000 créations d'entreprises de plomberie par an. Pour dire que ce n'est pas un secteur qui est figé, mais il y a, en fait, le parcours quasi
Il y a un parcours qui est quasi la norme, c'est de se mettre à son propre compte une fois qu'on est formé à la plomberie. Donc il y a énormément de création d'entreprises et 69% des entreprises créées ont zéro salarié. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui tout seul doit gérer tous les aspects de l'entreprise en plus de l'aspect technique. Alors ce qu'on essaye, quand on a compris ce problème-là, ce qu'on a essayé de faire avec SelfCity, c'est de créer l'Amazon des services au logement. C'est le fait de ne pas savoir ce qui se passe qui me... Edouard, un mot pour les téléspectateurs. Merci Edouard. Ils doivent être partis. Créer le Amazon des services au logement. Alors pourquoi je dis Amazon? Parce que contrairement aux entreprises du digital que l'on connaît, Amazon a cette particularité qu'ils ne font pas que du digital, mais qu'ils maîtrisent toute la chaîne logistique de livraison. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui transporte des objets et qui les livre à des gens. Donc en ça, on est un peu, c'est en ça qu'on se décrit. C'est pour regarder ou c'est pour chercher un truc? Vous avez Slack? Donc, je disais, créer Amazon des services au logement. Parce que Amazon, il y a la dimension digitale qui est très présente, mais c'est aussi une entreprise qui agit dans le monde physique. Alors, par contre, on est très différent d'Amazon sur la dimension. On veut être une version green de ce que fait Amazon. Et du coup, quand je dis on veut maîtriser la logistique de bout en bout, c'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de startups qui se sont attaquées à ce secteur-là, on ne fait pas de l'intermédiation entre des clients et des artisans. On recrute nos plombiers en CDI temps plein. Et on les rémunère plus que la moyenne du marché. Alors, notre service l'une des premières réflexions qu'on a eues, c'est qu'on a un service qui est conçu pour la ville, en fait. Si on regarde à gauche, c'est la manière dont fonctionnent des entreprises de plomberie traditionnelles. C'est que vous avez un dépôt qui est en général un peu à l'extérieur de la ville et une zone d'intervention qui est assez large, qui va jusqu'à un rayon de 15 ou 20 km autour du centre. Et vous avez un technicien, un plombier dans un van qui va aller au gré des appels clients d'un bout à l'autre de la ville. Donc c'est inoptimal au possible quand vous avez plusieurs plombiers qui travaillent sur exactement la même zone et qu'en fait leur déplacement c'est juste au gré des appels de clients de chacun. Alors que s'il y avait une coordination entre tout le monde, il pourrait y avoir une réduction énorme des distances parcourues. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme. Je vous envoie le client qui est à côté de vous et qui m'a appelé, et vous faites le contraire, et du coup, tout le monde y gagne. Mais sauf que ce n'est pas ça qui est fait, puisque chaque entreprise travaille toute seule, et c'est aberrant comme organisation, aberrant d'inefficacité. Alors, ce qu'on essaie de faire avec SelfCity, c'est de mettre plusieurs dépôts en ville, avec un seul point d'entrée pour les clients, et qui nous permet de distribuer. Avec chaque dépôt, il y a une équipe de plombiers qui est attachée à ce dépôt-là. Et à partir de ce dépôt-là, ils vont permettre d'intervenir dans un périmètre d'intervention qui est beaucoup plus petit que celui d'une entreprise de plomberie normale. Et cette gestion intelligente où on dirige l'appel vers le dépôt le plus proche pour l'équipe qui siège dans ce dépôt-là, déjà nous permet de réduire énormément les distances parcourues. Et un autre point, c'est qu'on va remplacer l'utilitaire par des véhicules électriques légers. Et on va faire appel à de l'optimisation d'itinéraire pour essayer de placer l'ordre des interventions de la manière qui nous fait parcourir le moins de distance possible. À gauche, vous avez la flotte traditionnelle pour une entreprise de plomberie et à droite, la flotte qu'on est en train de construire chez SelfCity. Alors aujourd'hui, notre principal véhicule de dépannage, c'est un scooter électrique. Alors on utilise les batteries sont rechargées avec de l'électricité verte, donc on passe par ILEC pour ça. Et le scooter électrique, non seulement il a largement la capacité de répondre à un cas de dépannage, mais en plus il se faufile dans la ville, il n'y a aucun problème de stationnement et il consomme beaucoup moins d'énergie pour se déplacer. Et donc c'est extrêmement efficace et il donne une très importante réactivité. Évidemment, de temps en temps, il faut transporter du matériel plus lourd. À ce moment-là, on a un véhicule électrique plus gros qui va juste acheminer le matériel et partir, ce qui fait qu'on continue d'éviter le problème de stationnement.
Et en ayant un véhicule pour plusieurs scooters, ça nous permet aussi de ne pas acheter 20 000 véhicules pour chaque technicien, plus que nécessaire. En fait, il y a un seul véhicule qui va répartir les équipements pour les techniciens qui, eux, sont sur un véhicule léger. À terme, en fait, puisqu'aujourd'hui, je vous ai montré un modèle avec 4 dépôts, aujourd'hui, on a le premier, on est en train de commencer à préparer l'ouverture du deuxième. C'est juste le modèle qu'on vise, que je vous ai montré. En fait, plus on va avoir de dépôts, plus on va pouvoir réduire le périmètre d'intervention. Et plus on réduit le périmètre d'intervention, plus on peut alléger le véhicule du technicien. Et c'est comme ça que l'idée, c'est petit à petit de migrer du scooter électrique vers un tricycle à assistance électrique. Il y en a un en bas, au rez-de-chaussée, à notre stand, si vous voulez en voir un. Et l'idée, c'est que nos techniciens, à terme, interviennent sur ce type de véhicule, qui sont, voilà, ou en pédale, mais à assistance électrique, qui consomme encore moins d'énergie que le scooter. Et ça, ça va de pair avec une réduction des zones d'intervention qui fait que les distances parcourues sont encore plus faibles que pour la concurrence. En fait, c'est difficile de parler avec le masque, de parler beaucoup. Je suis soufflé. Alors, il y a cette dimension purement physique de Self-City, mais pour encore pousser l'optimisation, on utilise aussi, on est en train de se structurer pour optimiser nos décisions à travers les données qu'on collecte. En fait, là, je vous montre ce qu'on veut faire. Ensuite, je vous dirai où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que c'est deux sujets différents. Ce qu'on veut faire, c'est un assistant de diagnostic automatisé. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'à partir d'une description d'un problème par un client, éventuellement accompagné de photos, on puisse avoir un algorithme qui va à partir de cette description-là, essayer de deviner quelles sont les probabilités des causes du problème. Et en fonction des probabilités des causes du problème, il va associer quel matériel pour réparer. Et du coup, l'idée, c'est d'automatiser ces tâches-là pour que, à partir du moment où on a un client décrit un problème, on peut directement savoir quelle compétence sera requise, quel matériel prendre, quel équipement, avec quelle probabilité. Et derrière, le plombier, sur son appli, il a, voilà, on a tel problème, on pense que c'est probablement ça ou ça ou ça. Du coup, on te recommande de prendre ce matériel, ce matériel, ce matériel. Et ça, ça nous évite un temps énorme, puisque ce que ça permet derrière, c'est d'augmenter le taux de réparation au premier déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un plombier va venir voir, comprendre le problème, puis va repartir, aller acheter la pièce et revenir l'installer. Déplacement inutile, ça se fait en utilitaire extrêmement polluant et aberrant dans tous les sens organisationnels. Et l'idée, c'est qu'on vient la première fois, on répare et on part. Deuxième point, c'est un assistant de planification. L'idée, c'est que quand on a une demande client, on a plusieurs techniciens et on va pouvoir faire un ordre de créneau du plus optimal au moins optimal. Le plus optimal étant celui qui va perturber le moins possible la trajectoire des techniciens en place, histoire qu'il n'y ait pas de surcoût de déplacement pour aller servir ce client-là. On ne sait pas, peut-être qu'à un moment, lorsque ce système sera en place, on pourra même dire que le créneau optimal, il a un certain tarif, et si le client, pour des raisons X ou Y, veut absolument être servi tout de suite, ben, il y a un surcoût écologique, il y a un surcoût. Et du coup, le faire en plus cher, pour faire cette intervention en plus cher, pour inciter le client à plutôt aller vers la solution qui est la plus optimale. Donc l'assistant de planification, l'idée, c'est que ça va aussi toujours sur l'application du technicien. Enfin, troisième axe, qui est l'un des plus intéressants, c'est l'automatisation de commandes des stocks et même la prédiction des stocks. En fait, ce qu'on pense pouvoir faire, on pense que on pourra trouver une relation entre le nombre de pannes de tel type d'équipement dans une ville et l'historique météo et le calendrier. C'est de se dire qu'avec en voyant quelle était la météo, l'humidité, la température sur les deux dernières semaines et en sachant si les gens sont en vacances, s'ils sont chez eux, etc., on peut prédire quelle est la probabilité qu'il y ait un certain type de panne sur tel équipement. Alors l'objectif, si on construit cet algorithme-là, ou on corrèle en fait, c'est qu'on pourra, par exemple, anticiper des pannes de chaudière parce qu'il a fait très froid, qu'on sait que les gens les surutilisent, etc. En tout cas, l'algorithme nous dit, je m'attends à ce que la semaine prochaine, il y ait X pannes de chaudière dans cette zone-là. Et ça nous permettrait non seulement de précommander les pièces à changer éventuellement pour réparer ces chaudières-là, sachant qu'une panne de chaudière en décembre, c'est extrêmement embêtant, et en plus même de libérer des créneaux de techniciens pour faire face aux urgences qui vont arriver.
L'idée, c'est d'être capable d'anticiper. On laisse un créneau, on se dit que je laisse 4 après-midi de libre la semaine prochaine parce que je sais que dans la semaine prochaine, il y a de très fortes chances que j'ai 10 urgences à traiter. Ça, c'est ce que nous permettrait de faire ce type de technologie et qui nous permettrait de rendre un service encore meilleur et de diminuer encore plus les déplacements inutiles. Grosso modo, notre approche totale quand on va aborder ce secteur-là, c'est de digitaliser et optimiser à tous les niveaux. De l'effort marketing unifié, où vous avez une marque qui va avoir un processus et une garantie de qualité qu'elle va défendre, et ça, sur une équipe de plusieurs techniciens, un diagnostic à distance sur lequel on avance petit à petit, la gestion intelligente des plannings, stockage décentralisé, véhicules légers électriques. Alors, on a bientôt un an et demi d'existence, un an et trois mois. On est déjà l'une des boîtes les mieux évaluées de Toulouse. Nos concurrents, je vais passer rapidement, du coup, celle-là est intéressante, mais je vais passer rapidement sur la partie business, comme ça on se concentre peut-être sur la partie logistique qui est le thème, le véritable thème de la conférence. Nos principaux concurrents pour les particuliers, c'est les plateformes comme Mes Dépanneurs, Easy by EDF, je ne sais pas si vous connaissez. Do You Know? Bon, en tout cas, c'est comme des Uber de la plomberie, en fait, où on vous met en relation avec des artisans. Et le problème, c'est que ces plateformes-là ne font que s'appuyer sur des petites structures qui ont les problèmes que j'ai énoncés au début. Donc, elles ne peuvent pas régler ces problèmes-là, puisqu'elles travaillent avec ces mêmes structures. Nos deux concurrents, c'est les petites structures qui ont les défauts dont je vous ai parlé et les plateformes qui s'appuient sur ces dernières. Et au final, si on prend quatre comparaisons sur quatre axes, qualité de service, tarif, réactivité, éco-responsabilité, en fait, on est largement meilleur sur ces quatre axes-là. Et là, il y a cette dimension. Ça rejoint la précédente conférence de éco-responsable ne suffit pas. Et ce qu'on voulait faire avec SelfCity, c'est une offre plus éco-responsable, mais qui batte la concurrence, même sur la qualité, même sur la qualité-prix. Bon, ça, c'est des trucs de marché. Ça, c'est l'équipe. Est-ce qu'il y a Crealia? Il n'y a pas Crealia, ils ne vont pas être contents. Alors aujourd'hui, on s'est lancé en mai 2019, en novembre 2019, on a eu le premier mois où chaque plombier ramenait plus d'argent que ce qu'il nous coûtait, en matériel et en salaire, ce qui est un premier niveau de validation. En septembre, là, on a recruté, on a grandi l'équipe et on est en train de grandir sur Toulouse. Notre objectif, c'est de nous installer à Paris à partir de 2021 et ensuite de viser beaucoup plus large. Je poursuis. Alors, notre vision derrière le dépannage en plomberie. En fait, ce qu'on veut créer derrière, c'est ce qu'on cherche avec notre mission, c'est le logement éco-responsable pour tous. Alors, comment arriver depuis un service de plomberie à une vision aussi large qui est le logement éco-responsable pour tous? En fait, notre stratégie, elle est en trois grands points. Le premier, c'est la conquête du marché, c'est prendre le maximum de parts de marché sur le dépannage. Donc nous, notre expertise, c'est le dépannage, c'est pas les grands chantiers, où là, on n'a pas de valeur ajoutée. Les artisans, les petites entreprises, là, elles sont très bien pour faire des grands chantiers. C'est sur le dépannage où il faut beaucoup bouger, beaucoup d'organisation, qu'on est très bon. C'est conquérir le marché sur le dépannage en plomberie et petit à petit aller vers d'autres métiers connexes, électricité, serrurerie, etc. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a un volume assez important, l'entreprise atteint une certaine taille, on puisse faire des offres packagées. Vous savez, quand vous prenez un abonnement téléphonique, on vous offre un téléphone à coût réduit si vous vous engagez, etc. Bon, on se dit qu'on pourrait faire la même chose pour une chaudière, par exemple. Et qu'on ait des offres, si on est suffisamment présent et qu'on a suffisamment de volume de clients, on peut faire des offres de ce type-là. En fait, au lieu d'avoir à appeler un plombier, quand vous avez un problème, d'appeler un plombier pour changer une chaudière, d'avoir une facture à part, etc., d'avoir une gestion tout en un où vous avez un abonnement et on vous garantit que vous avez toujours un équipement qui fonctionne et on le répare ou on le change de manière transparente. Donc l'idée, c'est d'aller vers des offres packagées. Une fois qu'on a les offres packagées, une fois qu'on commence à gérer à la fois le matériel et la réparation, ça nous ouvre la porte à créer nos propres équipements. Et ça, c'est une ambition de SelfCity. C'est si on réussit la première étape et qu'on réussit la deuxième,
c'est de se mettre à innover dans la création, dans la construction des équipements. Et là, on peut pousser beaucoup plus dans la dimension éco-responsable en proposant des équipements qui sont environnementalement performants. Alors, quel rapport avec l'espace et pourquoi je parle d'espace ? Parce que ce pitch-là, je l'ai fait au Club Galaxy, qui est un cluster du spatial à Toulouse. Enfin, il y a plusieurs entreprises du spatial et elles sont réunies dans ce club-là. Et j'ai présenté mon entreprise et à la fin, j'ai dit, voilà, je montre quel est pour moi le rapport avec l'espace. Et je pense que c'est une partie intéressante pour reboucler sur le pitch qu'on a eu sur la conférence d'avant. C'est pour ça que je propose de vous en parler. Vous voyez que j'ai pompé les photos. Donc, ce que je disais, bon, vous savez maintenant, mais voilà, il y a quelque chose qui cloche en termes de consommation. Voilà, on perd la boule un peu. Il y a une phrase qui m'a frappé, que j'ai entendue une fois et qui est très vraie. C'est que on est dans une étape de notre civilisation où les plus grands cerveaux de notre ère travaillent à vendre de la publicité. Ça, c'est les GAFA, puisque les GAFA, le point commun, il y a des gens qui disent ouais, les GAFA, pourquoi vous les mettez dans le même sac ? En fait, c'est des entreprises différentes. En fait, non, elles font toutes la même chose. C'est que ces entreprises-là veulent être votre intermédiaire de consommation. Ça veut dire que quel que soit ce que vous consommiez ou l'entreprise qui le produit, vous passiez par l'une de ces entreprises-là pour avoir accès à ce bien de consommation. Et eux, ils prennent de l'argent au passage. C'est le modèle économique de ces trois-là. À la fois Amazon, où vous achetez des produits d'autres entreprises en passant par eux. Facebook, par de la publicité, ils vous donnent envie d'acheter tel ou tel produit. Et derrière, c'est un intermédiaire de consommation. Apple, qui de plus en plus, donc, leur stratégie maintenant, c'est d'aller vers le service et qu'à travers leur plateforme, je ne sais pas si vous connaissez la polémique à propos des applications. Apple, où ils prennent 30% à chaque fois et voilà, ils sont accusés de concurrence déloyale. En forçant ceux qui veulent développer une appli pour les consommateurs à passer par leur App Store et à leur verser 30%. Donc au final, c'est une interface de consommation, votre iPhone, à travers les applis que vous téléchargez et que vous permettez d'acheter plein de choses, que ce soit du virtuel ou du réel. Et Apple se met entre les deux et taxe tout. La même chose que pour Google, il faut faire les recherches sur Google pour savoir quoi acheter. Donc en fait, ces quatre entreprises-là, leur moteur, c'est vous faire consommer et prendre leur part entre les deux. Et en fait, les plus grands cerveaux de notre civilisation travaillent pour vendre de la publicité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étonner derrière qu'on ait une entreprise, qu'on est dans une société qui pousse à la surconsommation, puisqu'en fait, les gens les plus intelligents travaillent à ça. Alors, face à cette situation-là, il y a certaines mouvances qui prônent une régression totale, en fait. Une régression totale de se dire... en fait, il faut revenir en arrière, il faut arrêter de consommer, et qui prône une civilisation où on enlève toute idée de croissance, toute idée de repousser des frontières, et qu'on se dise, bon, en fait, on va vivre simplement et sans faire de bruit, et ça devrait être ça l'objectif de la civilisation. Enfin, en tout cas, juste de vivre en harmonie et de rester dans l'état dans lequel on est, en fait. Qui n'est pas un sens de progression. Alors, moi, j'adhère pas trop à cette... J'adhère pas trop à deux niveaux. Déjà, je trouve que c'est pas crédible. Et parce que ça renie quelque chose, je pense, qui est très profondément enfoui en nous, l'être humain, en tout cas. Cette idée de repousser des frontières, d'avancer, en fait. Cette idée de progression. Et de dire que la civilisation va arrêter, il y a la fin de la civilisation, et qu'on va juste se mettre à vivre en silence, sans faire de bruit, et que c'est juste ça l'objectif, je pense que c'est pas crédible de penser imposer ça à l'humanité, qui aura toujours cet esprit de conquête, même si aujourd'hui il est extrêmement mal employé, mais c'est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Et c'est surréaliste de viser un modèle de civilisation où on enlèverait cette caractéristique, pour moi, inaliénable de l'être humain. C'est pas que je le décide, ou etc., mais c'est ce que je constate. Et alors, du coup, il y a des défis de notre civilisation. La civilisation, c'est juste qu'elle avance dans la mauvaise direction. En réalité, ce qu'il faut arrêter, c'est pas arrêter d'avancer tout court, mais c'est juste réorienter vers les bons sujets, en tout cas selon moi. Et les sujets, pour moi, qui sont les grands défis de notre civilisation, c'est un, protéger l'écosystème qui nous maintient en vie. Parce que là, ça devient n'importe quoi.
L'augmentation de l'humain, que ce soit dans l'éducation, la médecine, le prolongement de la durée de vie, je pense que l'être humain a un grand potentiel et qu'on est limité par certains aspects très terre-à-terre. Et je pense que le deuxième point va de pair avec le troisième. Je pense que l'espace est une frontière intéressante, qu'il y a beaucoup de découvertes extrêmement intéressantes à faire dans l'espace et que je vois là une belle frontière de progression, en tout cas un sens de progression qui n'est pas juste la destruction et acheter 4 télé, etc. Et je vois aussi un très grand lien entre l'augmentation de l'humain, pour rester très large, et l'espace. Voilà. Merci. Alors, du coup, je parlais de plein de choses, mais le sujet principal, c'était... Puisque je fais du hors-sujet, pour le coup, clairement. Le sujet principal, c'est cette partie-là. Comment, en fait, en mettant en place un certain nombre d'outils et d'organisations, et en combinant l'utilisation de véhicules légers à la place d'utilitaires, le stockage décentralisé et l'optimisation des itinéraires, on peut réduire par 20 la consommation énergétique de déplacements, tout en étant plus efficace et en exécutant le même travail derrière. Et le fait de se dire, si nous, rapidement, en quelques semaines d'analyse, on est arrivé à avoir cet énorme espace de création de valeur dans ce secteur-là pour rendre un secteur beaucoup plus responsable et éco-responsable qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement la même chose qui est à faire dans plein d'autres secteurs où les choses ne sont juste pas optimisées. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a optimisé ça, c'est fini, mais il faut toujours repousser de plus en plus. Et c'était le sujet donc de la Smart City. C'est que Smart City, il y a ce que la ville peut mettre en place comme infrastructure intelligente, et il y a la manière dont on utilise la ville qui, elle aussi, peut être intelligente. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Smart City. Alors, oui, parce que j'ai c'est des icônes, j'ai pas trouvé de tricycle. Non, mais c'est plus vendeur. Ah, oui, non, mais je le dis que c'est des tricycles, je le dis. C'est plus dur de faire à vélo, mais pourquoi vous choisissez les scooters, par exemple, quand il y a un peu du pillage, pourquoi les scooters ? Alors, déjà, je veux dire tricycle plus que le vélo. Pourquoi tricycle ? Parce qu'il y a quand même de la marchandise à transporter. Et que le vélo, mettre beaucoup de marchandises sur un vélo, ça commence à être dangereux, puisqu'il y a des pertes d'équilibre potentiel. Et qu'il y a le confort des techniciens, qui est aussi un élément important. Et déjà qu'ils ont un métier physique, si en plus ils sont sur un vélo où ils doivent pédaler à la force des jambes, faire avancer juste le matériel à la force des jambes, et être dans une position de relatif inconfort, et se prendre la pluie, etc., c'est beaucoup. Donc il y a cette idée de prendre le véhicule le plus léger possible, mais essayer de garder le maximum de confort pour le technicien qui en plus a un travail physique derrière. Donc c'est pour ça qu'on a opté, en fait, pas pour des vélos, mais pour des tricycles à assistance électrique. Donc ils pédalent pas qu'à la force des jambes, il y a une assistance électrique derrière. Derrière, pourquoi aujourd'hui on n'a pas généralisé ce véhicule-là à la place de celui-là ? En fait, c'est que la transition va se faire. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on essaye de construire, on n'a pas encore ça. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on est en train de chercher un deuxième local là, on en a un là. Et à partir de ce local là, notre clientèle, en vérité, elle est répartie sur une grosse zone. Et aujourd'hui, on ne peut pas servir notre clientèle en ayant en ayant que des vélos. On ne peut pas demander à un plombier de faire 10 km pour aller chez un client. Donc en fait, c'est ce que l'on veut créer. Et c'est la vision que l'on va faire, et on est en train d'avancer de plus en plus vers ce modèle-là. Mais on passe par une première étape où, en fait, parce qu'on n'a pas démarré avec 300 000 euros, hein, on a démarré avec mon associé avec 15 000 euros de capital. Donc avec 15 000 euros de capital, quand on a des plannings à remplir, on ne peut pas refuser de clients. Donc on a aujourd'hui, on ratisse large en termes de clientèle avec un seul local. Mais petit à petit, plus on va rajouter d'autres locaux, plus on va pouvoir réduire les distances parcourues, parce que du coup, si on a un client qui nous appelle là, on n'enverra pas, comme aujourd'hui, le plombier qui est là, et pour qui ça ferait une trop longue distance à faire en vélo.
mais on enverrait le plombier qui est là, qui lui peut le faire en vélo. Donc la transition va se faire au fur et à mesure qu'on ouvre de nouveaux dépôts, qu'on réduit notre périmètre d'intervention, on réduit les distances d'intervention, et là on commence à remplacer massivement les scooters par des tricycles à assistance électrique. Alors l'idée c'est que il faut voir comment est-ce que les techniciens l'acceptent. Quand vous êtes plombier, c'est un travail très physique. Et est-ce que être sur un vélo avec les intempéries, le déséquilibre potentiel et la force supplémentaire qu'il faut pour transporter soi-même et du matériel juste à la force des jambes, l'idée c'est pas non plus d'avoir des esclaves, mais il y a cette partie là et il y a la deuxième partie qui est: on pourrait décider qu'en fait on met les gens sur un vélo et du coup on ne recrute personne et du coup la boîte coule et on laisse la place aux concurrents qui utilisent des utilitaires pour tout le monde. Il y a toujours cette... Quand on crée une entreprise, il y a la vision et ce qu'on veut, on veut pousser vers l'éco-responsable, mais il y a toujours cette contrainte de: on ne peut réussir notre vision que si on existe encore en tant qu'entreprise. Et si on prend des choix trop radicaux qui tuent l'entreprise, on ne pourra pas réaliser notre vision éco-responsable. Il y a cet arbitrage permanent qui est pour pouvoir pousser plus dans l'éco-responsable, on doit sécuriser un peu plus notre business. En tout cas, si on veut pousser vers l'éco-responsable par l'entrepreneuriat, il y a cet arbitrage qu'on doit faire en permanence. Est-ce que vous avez des questions ? Après, je n'ai pas de questions, je vous libère. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à deux conférences de suite. J'espère que ça n'a pas été trop chiant.